l'émancipation, fait advenir un mouvement d'opposition à elle, qui est un mouvement puissant et qui, à partir de 1879, a même un nom, puisque c'est la date que généralement on mentionne pour l'apparition du terme d'antisémitisme dans la Vienne de ce moment-là, et que l'on attribue donc à un pamphlétiste appelé Wilhelm Marr. En Europe orientale, il y a une grosse crise après les pogroms de 1881-1882. C'est la première vague de violence contre les juifs, de violence physique, de violence massive contre les juifs. Évidemment, c'est un tournant énorme. Les déplacements de population commencent à partir de la fin du 19e siècle, à partir des grands pogroms qui sévissent dans la zone de résidence, c'est-à-dire les années 1880, 1881. L'arrivée des migrations juives d'Europe centrale et orientale va complètement remodeler le judaïsme d'Europe occidentale. On peut voir dans la grande presse des interrogations publiques sur la condition des juifs. Où il y a des descriptions apocalyptiques des pogroms qui se sont déroulés, qui sont accompagnées par des descriptions non moins apocalyptiques des conditions de vie dans la zone de résidence et des questionnements qui se posent par rapport aux juifs européens. Vous êtes tous juifs, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvez-vous tolérer ce qu'il se passe? En Grande-Bretagne, il faut savoir que les années 1880, pour la communauté anglo-juive, c'est vraiment un tournant. Parce que c'est le moment où démographiquement, les membres de sa communauté, le nombre de membres de sa communauté va exploser à cause de l'immigration de juifs d'Europe de l'Est qui fuient les pogroms. Ça ébranle même à certains égards un judaïsme belge qui était éminemment israélite, marqué par les idées des Lumières, par la réforme religieuse, et marqué également par l'impact du libéralisme politique que véhiculait la Belgique indépendante. Cette communauté anglo-juive qui se voulait, qui se présentait comme parfaitement intégrée, comme parfaitement assimilée, et ben elle va faire face à de nouveaux membres, du coup, qu'elle va vouloir accueillir en son sein, bien entendu, puisque ce sont leurs coreligionnaires, mais ils ne leur ressemblent pas. Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes traditions. La crise émancipatoire se dessine, je dirais, dans les creux de la montée de l'antisémitisme qui se développe partout en Europe. Il faut distinguer peut-être une crise liée à des facteurs externes et une crise liée à des facteurs internes à ce modèle émancipatoire. Les facteurs externes, ce sont, par exemple en France, l'affaire Dreyfus, qui va réveiller toute une génération de jeunes juifs qui sont lancés à pleine vitesse sur la voie de l'assimilation. Ces juifs lancés à toute vitesse sur la voie de l'assimilation vont se trouver réveillés par l'affaire Dreyfus, et réveillés à quoi? À leur propre judaïsme qu'ils sont en train de perdre. L'émancipation et la crise me semblent arriver en même temps en Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a deux injonctions contradictoires qui arrivent en même temps. C'est restez vous-même et soyez différents, ou devenez citoyen et soyez citoyen de votre propre pays. On se rend compte que finalement, en cherchant à s'intégrer, à s'assimiler, à se fondre dans le monde environnant, le judaïsme en a perdu sa propre substance.